Hey, salut tout le monde, c'est Paula59 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur une vidéo découverte sur Android. Donc oui, je suis sur Android pour la simple et bonne raison que ce jeu, je voulais absolument le faire en vidéo. Donc il s'appelle Expériment Z. Donc qu'est-ce que c'est Expériment Z? Bah, c'est tout simplement un jeu similaire à DayZ mais pour mobile. Donc normalement je sais pas s'il il sera sur iOS, mais je sais qu'il est sur Android, tablette, mais pour les iPhone, pour les iPhone et tout ça, je ne sais pas il y sera tout simplement. Donc vous voyez qu'on peut jouer en multijoueur, donc il y a quand même pas mal de serveurs, il y a 27 serveurs là actuellement. Donc les serveurs qu'on peut créer nous-mêmes, on peut créer nous-mêmes les serveurs, donc vous voyez Create Server. On peut joindre directement une partie au hasard. Ensuite, on peut jouer en solo et vous voyez mon personnage à droite. Donc, vous le voyez déjà avec un pied de biche, etc. C'est parce que j'y ai déjà joué, hein, tout simplement. Ensuite, il y a le shop pour se racheter des Z-Coins ou tout simplement retirer les pubs. Ça, je le ferai peut-être. On verra si ces vidéos-là vous plaisent. Comme ça, il n'y aura plus de pubs, tout simplement. Dans le jeu en lui-même, on peut aussi acheter des armes, donc des armes qui sont payantes avec les Z-Count. Les Z-Count, on peut les obtenir en regardant des vidéos qu'on voit ici. Donc là, je peux plus parce que j'ai déjà utilisé. Donc j'ai eu 20 Z-Count alors que j'en ai fait avant, du coup j'en ai eu 120 au total, ou un truc dans le genre. Setting pour modifier la qualité, modifier son nom, tout ça. Donc moi j'ai tout mis à fond, à part la sensibilité bien sûr. Top 50, donc c'est en gros le nombre de kills que j'ai fait avec contre des joueurs, le nombre de zombies que j'ai tué. Donc j'ai tué 271 zombies et j'ai tué 0 joueurs. Donc un peu normal parce que je fais pas de PVP. Donc on va lancer une partie. Donc cette vidéo sera courte hein, personnellement parce que j'ai pas trop envie qu'elle dure une éternité, c'est qu'une vidéo de découverte. Si vous souhaitez un let's play dessus ou une survie suivie ou quelque chose dans le genre, bah, dites-le dans les commentaires parce que je le ferai hein, tout simplement. Donc j'ai spawn où? Je sais où j'ai spawn, c'est bon. Normalement ici, il y a la ville, ouais voilà c'est ça. Donc on va aller dans la ville directement. J'ai spawn à côté de la ville, donc c'est vraiment pas mal, tant mieux d'un côté parce que il y a souvent beaucoup de choses à regarder, comme vous voyez tous les bâtiments qu'il y a quand même. Donc malheureusement il n'y a pas de carte dans le jeu, malheureusement aussi il n'y a pas de sac à dos non plus. Ça serait vraiment super. Et les armes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, mais le jeu elle est en alpha. Donc il faut s'attendre à des améliorations de la part du créateur de ce jeu, enfin du développeur, pardon. Donc munitions, les trucs verts, ça je prends. Même si j'ai pas d'armes, les munitions je prends. Mais vraiment je prends. Donc je suis. Ça je n'ai pas besoin de tout ça. Ça c'est quoi? Ah c'est l'uniforme en noir. En fait c'est cet uniforme-là que j'ai actuellement, mais en noir en fait. Mais j'en veux pas parce qu'en noir il fait bizarre. Ça fait un effet bizarre sur le personnage. Ah, j'ai pris un truc. Hop. Donc, première maison faite, on va aller à la deuxième, si je peux passer au-dessus. Hop, voilà. On va passer à la deuxième. J'ai aggro. Nice. Nice. Je peux vous faire montrer le combat. Donc, le combat contre les zombies. Toujours reculer un peu parce que sinon on se prend des coups. Voilà. Je me suis pris des coups. Donc, si vous entendez le jeu trop fort comparé à ma voix ou l'inverse, dites-le dans les commentaires. Hein. Vous inquiétez pas, je modifierai ça. Pour les prochaines vidéos, parce que je compte en fait faire plus de vidéos sur Android quand même. Ah, j'ai bugué au niveau de la porte. Je compte faire plus de vidéos sur Android quand même parce que on passe quand même sur quelque chose on va pas dire de beau, mais il y a quand même de bons jeux maintenant sur Android et ça serait dommage en fait de. Bon, il est bugué, bah on va le laisser bugger.
Je trouve ça dommage de passer à côté. Certes, il y a des chaînes spécialisées qui font des vidéos que sur Android, mais moi, ça divertit ma chaîne personnellement. Ah, je suis buggé. Ah non. Donc, il n'y a qu'une orange et un chapeau. Ok, bon, ça. Normalement, j'aurai encore l'aggro du zombie, si je m'abuse. Ouais, voilà. Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur l'écran. Voilà, donc, il y a l'inventaire. Il y a tout simplement le bouton pour frapper. Il y a le bouton pour sauter. Il y a le bouton pour changer de vue. Donc, là, vous me voyez en troisième personne. En troisième personne, c'est un petit peu. C'est bien pour voir, vous voyez, derrière des bâtiments et tout ça, mais sans plus. Il y a le bouton pour rentrer et sortir du véhicule. Il y a le bouton, bien sûr, pause. Il y a le bouton pour le chat. Chat, voilà. Et ça, normalement, c'est pour le vocal. Donc, je ne sais pas du tout comment faire, à part m'envoyer un message, un mail. Voilà. Donc, d'accord. Ou c'est pour tout simplement dire les bugs qu'il y a ou se plaindre du jeu, peut-être. Il y a le shop, comme je vous l'ai dit. Donc, on peut acheter des armes. Voilà. Attendez, j'ai vu un truc pas mal. Ah non, c'est la machette, ok. Il y a les vêtements. Donc, il vaut vraiment cher les vêtements noirs. Hein. Il vaut vraiment cher. Donc, le pantalon, d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Le pantalon noir, il est où? Enfin, bref. Il y a la nourriture. Donc, ah, il y a quand même du soda, en fait. J'étais en train de chercher, mince, il n'y a pas à boire. Mais si, il y a à boire. Il y a même des bouteilles d'eau. Ah non, ah si, bouteilles d'eau. Et il y a l'extra, donc les munitions et le jerrycan. Voilà. Donc on va continuer notre petite fouille. Donc en première personne, personnellement, je préfère. Ici, il y a quoi? De la nourriture. Si je peux prendre, ce serait bien. Voilà, avant que le zombie me tape. Je sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il est. Il est là, ok. Voilà. Putain, j'allais dire parce que le coup là, il est en plein dessus pourtant. Alors ici, il y a des médicaments. Donc oui, il y a des médicaments. Donc je me demande pourquoi il n'y a pas. Système soit fin, etc. On va aller dans ce bâtiment là. D'ailleurs, j'ai pas fait celui-là là-bas. Enfin, je crois. C'est qui m'a gros? Ah, c'est toi. Ok, d'accord. Voilà. Ok, il m'a aggro aussi, putain, mais vous voyez comment ça aggro trop vite. C'est juste abusé, ça, par contre. Par contre, pour l'aggro, ça fait un peu trop vite. Le combat à la troisième personne, vous voyez. C'est un peu ridicule, le combat à la troisième personne. Ah, d'accord, j'ai pris un truc. Ok. Donc, c'est un truc qui était dans le bâtiment, hein, personnellement. Et oui, ça, c'est un petit peu aussi buggé, en gros. Voilà, j'ai encore aggro. En gros, en fait, on passe à travers les. Tout passe à travers les murs en fait. On est quand même bloqué par un mur invisible, mais en fait, si je me colle, et ben on voit ce qu'il y a au mur, ce qu'il y a de l'autre côté. Munitions. Je me suis demandé c'était quoi le truc vert. Mais c'est des munes. Ici, il n'y a jamais rien. Et ici, il y a un truc. Je me regarderai après parce que je crois que j'ai un gros. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, mon perso ne frappe pas, ça c'est génial. Voilà, donc on va quand même se soigner. On va se prendre directement un bandage. Use, voilà. Alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est une veste de costard, je crois, ou de costume, un truc dans le genre. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas, mais je préfère pas le prendre. Bon, que faire? Bah, tout simplement essayer de trouver une arme, puis vous faire découvrir les armes à feu dans le jeu. En sachant que la vidéo, je veux pas qu'elle soit trop longue, donc on va faire la ville et puis on va se quitter là, les amis. Donc j'en suis vraiment désolé, hein, si vous souhaitez que ce soit plus long, dites-le dans les commentaires. Je ferai une série dessus, juste une ou plusieurs, je sais pas, on fera une série solo et une série multi, on verra jusqu'à temps qu'on fasse le tour. Enfin, la série solo va aller vite, donc non, on fera plutôt une série multi. Quel bâtiment j'ai pas encore fait? Celui-là, je l'ai pas fait. J'ai pas fait celui qui est là-bas non plus, donc on va faire les bâtiments qui restent. J'espère que cette vidéo vous plaît, personnellement. Donc s'il y a des petits lags et tout ça, bah, c'est à cause de Mobizen. Oui, j'ai oublié de vous préciser avec quoi je filmais. Donc je filme avec Mobizen, les amis.
C'est vraiment pas mal qu'il fonctionne. C'est déjà bien, sans route le téléphone, donc vous n'avez pas besoin de router le téléphone pour l'utiliser, mais il faut au minimum avoir un Android 4.0. Non, 4 point... ouais, non, pas 4.0, non, 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 pas 4.0, 4.4, pardon. Et une cagoule. Ouais, c'est pour un Android 4.4, moi c'est ce que j'ai, donc c'est Android KitKat en fait. Donc il vous faut un Android KitKat, en gros c'est ça, en version KitKat, et vous pourrez tout simplement utiliser Mobizen, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc voilà. Donc j'y suis allé à mon avis dedans. Ouais, voilà. Bien parce que je tourne en rond. Donc on va tuer un petit peu ce zombie là. On va faire la vue troisième personne pour que vous voyez un petit peu la différence. Donc il y a un véhicule qui est un petit peu buggé. C'est génial. Hop. Voilà, il m'a tapé, mais c'est pas grave. Donc ce véhicule est un petit peu buggé. Donc le camping-car, on peut le conduire le camping-car. J'ai aggro. Encore. T'es où? Ah, t'es là. Une, deux. On recule. 3 et 4. Voilà. Donc voilà, il faut essayer de prendre le coup, hein, franchement, pour ça, c'est vraiment pas évident. Hop, hop, hop. Oui, c'est vrai, ça c'est un bug aussi. Donc désolé. Désolé, vraiment désolé là. Hop, on va essayer de remonter le plus vite possible. Voilà, c'est bon. Alors, munitions ici, on va prendre. Munitions encore. La nourriture. Je crois que je suis full. Ouais, je suis full, du coup je dois me vider d'un truc. Voilà. Donc pourquoi je dois me vider d'un truc? Bah, en fait tout simplement que si je monte dans un véhicule, mon arme va se déséquiper, donc elle va retourner dans mon inventaire. Et si je n'ai pas de place dans mon inventaire, et ben mon arme disparaît, tout simplement. Donc apparemment je peux. Voilà, je peux quand même l'utiliser. Hop 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 friend. On va s'arrêter ici, c'est pas grave. Vous avez vu un petit peu le véhicule, donc malheureusement celui-là est un peu buggé. Personnellement, comme camping, le camping-car est buggé comparé aux autres véhicules. Enfin, il y a le véhicule militaire qui est aussi buggé parce qu'il tourne tout seul. Donc, allez comprendre. Allez comprendre du pourquoi, du comment. J'ai oublié de vous préciser, il y a un cycle jour et nuit aussi dans le jeu. Donc, le voici, il commence à apparaître, le cycle nuit. C'est un petit peu désagréable pour le coup parce qu'on n'y voit presque rien dans le jeu. Après, donc, j'essaierai de modifier ça. À l'avenir, ne vous inquiétez pas, là j'ai pas pu le modifier parce qu'en fait ma luminosité de mon téléphone est bas. Voilà, tout simplement. Donc je ne monte pas à l'étage de ce bâtiment car c'est juste inutile et j'aimerais bien me retirer du mur. Voilà, ouais, c'est inutile d'aller à l'étage de ce bâtiment. Donc, ça c'est quoi? C'est des médicaments, donc je m'en fous. Là, je cherche plus, c'est une arme en fait. J'ai quoi dans les mains? J'ai mon. Non, j'ai pas d'armes. Okay. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait de pas avoir d'armes. Donc là, je l'ai. C'est bon, il n'y a rien. Donc là, on commence à plus rien voir. J'en suis vraiment désolé, les amis. Même moi, je vois rien. Donc j'espère que ça vous ça te dérangera pas trop. Donc je vais vite aller dehors pour qu'on voit quelque chose. Voilà. Donc là, on voit mieux. Du coup. Tous les bâtiments sont terminés. Il reste quelques. Non, j'ai plus de bâtiments à faire. Malheureusement, j'ai pas vraiment envie de rouler avec ça. Donc, les amis, là, ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette découverte. C'était déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez tout simplement que je continue à explorer ou tout simplement à faire une série dessus, bah, dites-le dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis tout simplement à la prochaine, les amis. Allez, ciao, bye.